Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous ouvrir de nouvelles Ever After Eye, pardon. Du coup, il y a 10 Ever After Eye là-dedans que je ne saurais pas vous ouvrir en vidéo comme dans la partie 1 parce que je n'ai pas fait attention à la batterie de mon téléphone et elle est à 20%. On se retrouvera alors dans pas longtemps pour vous montrer toutes celles que j'ai. En attendant, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris. Donc c'est un gros lot qui m'a coûté assez cher et comment dire, j'ai pas assez confiance en vos vendeurs. Car il avait quelques poupées qui m'intéressaient, mais en fin de compte, il manquait des trucs assez durs à récupérer ailleurs. Ce qui fait que j'ai retiré pas mal d'Ever After Eye du lot. En attendant, je lui en ai pris 10 et je vais vous montrer lesquels. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Rewind. Cause you're right, or you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Et me revoilà avec donc les poupées déboxées. Vous voyez un petit peu qui sont ces poupées, donc je vais commencer par la première, qui est donc Brière et Pickwinter. Elle est complète, et il y a même, y a même la carte qui est là-bas, donc là. Et il me semble que je l'ai en français, donc oui, on peut un petit peu lire ce qu'il y a mis derrière. C'est une version française. Apparemment, c'est l'une des plus rares de ce que m'a dit le vendeur, mais j'en sais rien en vrai, car je connais pas les Pickwinter. Mais du coup, la voilà. Perso, je la kiffe. Peut-être la coiffure un petit peu. Mais bon, ça sait se refaire. Elle est sympa. On passe ensuite à Ashlyn et Pickwinter aussi, qui est complète elle aussi. Normalement, elles sont pas vendues avec des socles, mais le vendeur m'a donné des socles avec, ce qui fait que je peux les exposer librement. Elle aussi possède sa carte. La suivante, c'est Blondie Locke, qui est l'une de mes favorites de cette collection. Je kiffe sa tenue. Voilà, donc regardez un petit peu, elle est super mignonne. Je dirais même que c'est ma favorite de la collection. Le suivant, c'est mon premier garçon Ever After Eye, et c'est donc Daring Charming. Qui me déçoit un peu, et je vais vous expliquer pourquoi. Sur le pull, il y a un petit bout de t-shirt, super beau, mais seulement c'est rattaché au pull. Du coup, il n'y a pas vraiment de t-shirt en dessous et c'est décevant. Et aussi le fait que son pantalon, c'est une matière qui ne se retire pas, tout comme les chaussures, donc on ne sait rien articuler. Les jambes ne sont pas articulées, tout ce que je sais faire, c'est des petits étirements avec... voilà. Et la petite articulation de fesses, comme à toutes les poupées, mais sinon, voilà. Et donc, il est accompagné de sa copine, qui est très très moche, mais elle a une belle tenue. Je sais plus comment elle s'appelle, je pense que c'est Bella, un truc du genre. Mais voilà, c'est pas du tout ma favorite de la collection. J'adore la tenue, mais j'ai du mal avec son visage. J'ai adoré la Bella basique, elle avait un beau visage, mais celle-là, je sais pas trop. Regardez, elle a... On dirait qu'elle a le menton de Superman. Je sais pas, il est énorme, son menton. Et sans les lunettes... Je sais pas, elle a un visage bizarre, j'accroche pas. Madeline, Heather, qui est Pickwinter aussi. Elle, ça va, je l'aime encore. Il y a une petite tache sur la botte, mais bon, c'est pas grave, j'en fous. Là, voilà. Je l'aime beaucoup, elle est mimi. Si vous voulez, je vous ferai une comparaison entre elle et la Madeline normale pour que vous voyez la différence entre le reboot et les originales. Et on passe ensuite à la dernière Pickwinter. C'est Applewhite. C'est la seule qui est incomplète. Du coup, il manquait la ceinture, alors j'ai décidé de lui mettre la ceinture de Nilsson, qui lui va beaucoup mieux que la ceinture qu'elle a de base. Et il lui manquait aussi les bottes. Du coup, j'ai décidé de lui mettre les bottes de Abby Picture Day, que je vais customiser avec de la couleur acrylique. Et voilà. Donc là, j'ai pas à me tracasser pour la collection. J'ai toutes les Epic Winter. Et là, vous allez me dire, mais il en manque une. Eh bien oui, Crystal Winters, qui est juste là.
Du coup, pour ce lot, j'avais demandé toutes les Pigwinter, puisque le vendeur les avait toutes, et ça me pouvait me permettre d'avoir toute la collection complète et de plus m'en tracasser. Ce qui fait que je les possède toutes. Je suis pas 100% fan de Crystal Winter, mais c'est juste parce qu'elle ne me plaît pas tant que ça. Sinon, la poupée est sympa et j'adore ses bottes. Il manque la baguette, mais bon, qu'est-ce que j'allais faire avec une baguette? Si je devais les classer de ma favorite à ma moins favorite, je mettrais Blondilocks en première, suivi de Briard et peut-être Aisling que j'aime beaucoup. Il y a juste la coiffure d'Aisling que je dois réarranger. Mais sinon, elle est sympa. J'aime beaucoup Apple finalement. C'est juste que je ne l'ai pas complète, mais avec tout ce que je lui ai mis, c'est peut-être l'une de mes favorites aussi. Après, son visage reboot est effrayant. J'aime aussi Madeline, qui est vraiment trop mignonne. Et Daring. Bien, Daring, il est sympa aussi. Il a fait tout tomber, c'est pas grave. Daring, il est sympa aussi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est les articulations, la jambe qui manque, le fait que son pantalon soit totalement collé à. Enfin, qu'on sache pas la retirer. Pareil pour les chaussures, on ne sait rien retirer du tout. Il y a juste l'articulation aux fesses. Ce qui lui donne un bon petit cul, mais c'est tout. Et là, en dernière, parce qu'elle est moche. Et je vais pas m'en arrêter là, parce que j'ai demandé d'autres poupées dans ce lot, d'Ever After High. Ils sont juste à côté, donc là-bas. Et je vais vous les montrer une par une. En fait, il n'y en a que deux, mais bon. Ce sont en soi mes premières Ever After High basiques. Et on commence par Melody Piper, que je trouvais géniale et super rare. Mais au final, c'est l'une de mes moins favorites de toutes celles que j'ai achetées. Et je ne sais pas pourquoi. Je lui ai rajouté le petit ruban de Sylvie Timberwolf. Et c'est ma première basique. Et la dernière pour finir cette vidéo unboxing, c'est. Cedarwood, basique aussi. Je l'avais montré sur Instagram, donc vous saviez que je l'avais. Mais du coup, là voilà, elle est totalement complète. Il manque peut-être juste son journal, mais je m'en fous. Parce que bon, tant qu'on a la poupée, bah, c'est sympa. Et du coup, bah, là voilà. Je pourrais l'exposer, faire ce que je veux avec. Je l'aime beaucoup. C'est l'une de mes favorites maintenant. Un petit peu déçu qu'elle apparaisse que dans un film en soi en tant que personnage principal, et ensuite elle est délaissée comme cerise, mais bon. Il y a des personnages qui n'ont pas vraiment de chance. Cupid, Cerise, et elle, bah, ce sont les petites mises à part. Parce qu'elles n'apparaissent plus tellement après le film Spring on Spring. Mais du coup, je suis grave content de la voir. Elle est trop mignonne. Et j'ai même eu droit à sa boîte. Voilà. La boîte est en très bon état. Et ça va me permettre d'avoir des petits fonds pour quand je les exposerai pour décorer. Et je viens de me rappeler que j'ai totalement oublié de faire une chose. Du coup, voilà, Madeline reboot. Bon, sans reboot avec le visage de reboot. Et voilà une Madeline normale qui est apparue comme par magie. Non, je déconne. La magie du montage. Les visages sont les mêmes. On a l'impression qu'elle a une plus petite tête qu'elle. Alors qu'en fait, c'est la même taille de tête, plus ou moins. C'est juste qu'elle a moins de cheveux qu'elle. Et que les yeux sont un peu différents. Enfin, pas tant que ça. Surtout qu'elle, elle sourit. Et elle non, du coup elle a des plus grosses joues. Mais je sais pas, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus fine que les normales. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus pour une prochaine vidéo. La partie 3, si jamais, elle sortira sûrement le mois prochain. Car je vous avoue que les achats d'Ever After High, c'est génial. Mais si vous voulez les collectionner complètes, et si vous voulez collectionner quasi toutes les Ever After High, vous allez devoir y mettre beaucoup. Et devoir bien les chercher parce que c'est pas facile à trouver. Surtout un bon. Elle l'a emballé avec amour. Et moi, je défonce sa boîte. Du coup, elle m'a offert des cadeaux, je crois. Ah non, ça, c'est les accessoires qui vont avec. C'est pas des cadeaux, mais ça, c'est des cadeaux. Ça, c'est pour moi. Oh, après la petite bite, elle m'a fait une pêche. Bienvenue dans. Oh! Les voilà! Je sais pas comment elle fait pour avoir toujours des poupées aussi bien coiffées. À chaque fois que je lui en prends ou qu'elle m'en offre, elles sont super bien coiffées. Moi, j'arrive pas à ce résultat. Et je pense qu'elle m'a donné plusieurs fois des tutos que j'ai écouté mais que j'ai oublié. This is my first JJ. She looks like she's... Oh.
Elle est tombée aussi. Bah finalement, je fais tout tomber aujourd'hui. Et du coup, bah là, c'est Francky. Regardez-moi ce beau visage. Je vais vous montrer une comparaison avec la Francky que ma sœur m'a... Enfin, que j'ai volé à ma sœur, du coup, quand elle a arrêté le Monster High. Ça, c'est la Francky qui traîne depuis je sais pas combien de temps dans mon armoire, du coup, elle est pas coiffée. Et elle a pris la poussière. Du coup, bah là, voilà. En comparaison avec, du coup, l'original, qui a un visage différent. Je vais pas dire qu'il est plus beau, mais on voit une différence entre son visage à elle et le sien. Et ça, c'est un visage de vrai Monster High. Donc, Monster High de base. Et ça, c'est le visage qu'ils ont essayé de leur donner au fur et à mesure du temps. Avant le reboot, bien évidemment. Mais voilà, pour vous faire une petite idée de pourquoi je voulais lui prendre cette Francky, qui est, selon moi, beaucoup plus représentatif des Monster High que ce truc. Elle m'a offert aussi des petits cadeaux. Un bracelet. J'en avais des comme ça. En plus, c'est vrai, j'en avais un noir, un bleu et un gris, je crois. Et du coup, bah, c'est des bracelets avec écrit Monster High dessus. Un palmier ou une libellule. J'opterais pour les deux. Pour moi, c'est une libellule, mais je vais dire que c'est un palmier parce que c'est plus beau en palmier. Et une étoile. Je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les mettre dans le cul. Et on a une tête de mort trop stylée dans mon armoire. Ah, c'est pas fini. Bah, décidément. Une petite couronne parce que je suis en prince. Un gâteau. Et encore un gâteau. Puis voilà. Petit gâteau. Pâte à gâteau. J'ai enfin l'animal de Francky. C'était l'animal qui me manquait. J'ai celui de Claudine et j'ai deux fois celui de Dracula. Mais j'avais pas du tout celui de Francky. Il est trop mignon, what's it? Je vous le remonte. Regardez-moi cette beauté. Si les animaux sont pas dans le reboot, enfin dans le reboot 2021, je hurle. Il y a donc les brosses de Gigi, JJ et Francky. Ainsi que le sac de Francky, la lampe torche, non c'est pas la lampe torche, c'est la jumelle. Je ne sais pas les jumelles, il y en a deux. C'est un petit sac pour bouffer, moi j'adore manger. Eh bien écoute, merci pour tous ces cadeaux que bah du coup je t'ai acheté, donc c'est pas vraiment des cadeaux, mais merci pour les cadeaux à part, c'est très gentil. Comme d'hab, t'es génial. Mais du coup voilà, pour vous les remontrer encore, JJ, elle est trop canon, c'est JJ. Et Frankie, ah, en plus les cheveux sont tout doux.